Alors Benny, maintenant, il parle avec des boîtes et des boules. Non, je crois que j'ai fait livrer, en fait. Je vais devoir vous demander de bien vouloir quitter ce navire. Ah, l'autre, il veut faire peur à qui avec ses deux petits bras? On dirait des vers de terre. Et ben alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, poursuis-nous, poursuis-nous, allez, poursuis-nous. Courir, moi? Jamais. J'ai une bien meilleure méthode. Tes paupières s'alourdissent, tu as sommeil. Je t'ordonne de quitter ce navire. Ben, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un gobelet avec un fil. Il y a plus d'une façon d'endormir un rat. Superbe le solo! Non mais c'était lui, il m'a bien chauffé avec sa flûte. C'est à toi, ce joli petit nez violet. Oh. On va pouvoir rigoler maintenant. À toi de jouer, Mimi. Montre-leur de quoi tu es capable. Hey! Oh non, 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 non! À votre place, je quitterai ce bateau. Non, alors là, je suis désolé. C'est toi, c'est vous, c'est toi qui départ d'abord. Hein? Aïe, 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 aïe. Ok, arrête, 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 ok. Le sage sait qu'il y a un moment pour lutter et un moment pour renoncer. S'il te plaît, juste dessert un petit peu, juste dessert. Mimi, lâche-le un peu. On est bien ensemble, je peux rester sur ton dos. Mimi! Oh ben si personne voit d'inconvénient, moi je pense que je vais rester ici, la puce ne s'intéresse qu'à Razmo. Bon, alors maintenant vous devez partir tous les deux, tout de suite, hein. Excuse-moi, cheveux bleus, mais il n'y aurait pas un moyen de la décoller, là? Je veux pas le lâcher. Oh, j'adore ce type. Lâche-moi, tu me fais mal. Ma Mimi, elle en est ma nôtre. Alors, tout va bien? Super bien, ça se voit pas, non? Ouh là 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 là, l'ambiance. Aide-moi à la récupérer, je te donnerai ce que tu veux. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu peux me proposer? Bah, je vais te mitonner des petits plats. Hein? En voilà une bonne idée. À l'heure qu'il est, ce hérisson a dû régler leur compte à ces saletés de vermine. Ah ah! Mission accomplie! Qu'est-ce que c'est bon? Je ne voudrais surtout pas t'empêcher de manger tranquille. Mais il y a ton copain qui est en train de me piquer ma petite Mimi. D'accord, d'accord, je m'en occupe. Ouais, vas-y, rapido! C'est parlé! Bientôt, je vais pouvoir serrer ma Mimi dans mes bras.
En tout cas, j'aurais essayé. Il y a sûrement quelque chose à faire. Rapido, je t'en prie, aide-moi. Ah, débrouille-toi tout seul, trouve une idée, hein. Moi, je peux pas réfléchir l'estomac vide. Ça vient, si vous voulez, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es doué. Hé, hey, Rapido, ça te dérangerait pas de t'occuper de moi avant le dessert? Je peux pas regarder ça. Ça me tue, ça fait trop mal. Rasmo, c'est bon, je crois que j'ai l'idée de rêve. On va te faire avaler des choses horribles. Tu vas sentir tellement babon de la bouche qu'elle sera obligée de te lâcher. Allez, montre-lui, cheveux bleus. Mais j'y crois pas, elle va pas le lâcher. Ouvre la bouche. Désolé, non. C'est pour ton bien, ouvre. J'ai dit non. J'ai dit ouvre, je dis. Non. Alors? Va me chercher des poulets. Bon alors, quand est-ce que c'est prêt? Encore une petite minute. Bon bah alors moi, tout le monde s'en balance, c'est ça le truc? Eh, pourquoi on ferait pas un petit tour de ras-de-bord pour bien s'ouvrir l'appétit? Et c'est quoi ce truc-là? Je vous en prie, faites que ça marche. On va te faire ton baptême de l'air, Mimi. Accroche tes petites pattes. Vas-y, rapide, en plus vite. C'est pas vrai, elle aime ça aussi. Bon bah écoute, j'espère que t'auras un grand lit pour ta lune de miel, parce qu'il va falloir que tu prennes Rasmo avec toi. Je suis désolé, je dois partir. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il bouge plus? Ah là, je crois qu'il décède. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Il est vivant! Rasmo, je t'aime beaucoup trop pour te faire souffrir. Il faut qu'on se sépare. Content de l'entendre, ma chérie. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je te bats! J'en ai marre de tes blagues! Ça ne me fait plus rire, mais du tout! Ne t'en vas pas! Mimi! Attends-moi, mais je t'aime! Mimi! Alors, ça va mieux? T'es content? Quelle peau de colle, celle-là! Ouais, c'est bizarre, il manque comme un truc derrière dans mon dos qui m'équilibre. J'ai l'impression que mon arme secrète s'est fait la malle, et en plus de ça, il s'est fait aussi mes poulets. Allez, Rasmo, tu vas pas passer ta vie au lit, quand même! Debout! Allez, viens, c'est nul de jouer à la poupée. Viens, j'ai découvert un nouveau jeu, ça s'appelle les dés. Laisse-moi tranquille, dégage. T'es nul. C'est toi qui es nul, ouais.
C'est lui qui est nul. Non mais franchement, c'est incroyable comment il est nul. T'as vu, il est jaloux. Et bah tu sais ce qu'on va faire, nous? On va s'amuser tous les deux, on va s'éclater. On va s'éclater, j'adore m'éclater. Et par exemple, si je vous rejoins là, ça vous dérange?